Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est minuit dans l'horloge de Dieu. Merci pour votre présence Seigneur, le bénissant ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta force, la force divine que tu nous donnes. Nous te confions cette émission Seigneur Père, au nom de Yeshua, conduis-nous par ton esprit. Amen. Voilà mes amis, ce soir je vais répondre à trois questions essentielles. Et euh, donc, on va d'emblée euh, y répondre. Donc, euh, on commence avec euh, la première question. Euh, bonsoir, Apote. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère Chora. Est-ce euh, que si tu peux nous expliquer qu'est-ce qu qu que la grâce Qu'est-ce que la grâce Voilà. Donc, il y a eu un enseignement il y a quelques jours, comme vous le savez, sur la grâce. Et euh, donc, à chaque fois, je vais prendre, je vais tout faire pour prendre 15 minutes pour répondre à chacune des euh, chacune de ces questions donc rapidement nous allons dans genèse chapitre 6 genèse chapitre 6 on va lire à partir du verset 1 genèse 6 verset 1 or il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles les fils de dieu voyant que leurs filles que les filles des hommes étaient belles les prirent pour femmes d'entre toutes celles qui choisirent. Et Yahweh dit Mon esprit ne contestera point toujours avec les hommes dans leurs égarements, car aussi ils ne sont que chers et leurs jours seront de cent vingt ans. Il y avait en ces temps-là des géants sur la terre et aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Mm -hmm. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, J'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Okay. Donc là, nous avons, euh, euh, dans un premier temps, et, euh, la description de euh, la terre, l'état dans lequel la terre était. Donc, les Écritures nous décrivent euh, dans quelles conditions euh, les hommes de cette époque vivaient. Ils étaient dans le péché, dans la dépravation, dans la rébellion contre Dieu. Le verset 4 nous dit que Yahweh Dieu a, a, a vu que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, extrêmement grande. Et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que, euh, euh, que, bien sûr, mal en tout temps. Et Dieu va se repentir d'avoir, bien sûr, euh, créé l'homme. Donc là, on voit l'état de péché dans lequel les hommes étaient. Le péché était très grand sur terre. Et, euh, et tout de suite au verset 6, qu'est-ce qu'on y trouve ben, On voit la grâce. D'accord Donc, euh, on voit la grâce. Et. Euh, et, et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Et Dieu va se repentir de, de les avoir faits. Et au verset euh, 8, on nous dit quoi et, euh, Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Donc, au milieu de cette génération perverse et corrompue, il y a un homme qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est Noé. Noé. Et, euh, et on nous parle de sa postérité. Et on nous dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Et donc on voit bien que euh, Dieu a vraiment, vraiment fait grâce à cet homme. Et les conséquences de cette grâce sont évidentes. Hein. Et euh, on nous parle de la justice, on nous parle de l'intégrité, on nous parle de la marche euh, de Noé avec Dieu. Donc au moins trois conséquences, euh, conséquences pardon, et, euh, de la grâce qui sont euh, relatées ici. Donc il y a l'intégrité, il y a la justice et il y a la marche avec Dieu. Donc ça, c'est parce que cet homme a été eh, au bénéfice de la grâce du Seigneur. Donc on voit bien que la grâce, c'est vraiment euh, le fait de marcher dans l'intégrité. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la grâce, c'est quand Dieu vient et il justifie l'homme pécheur. Il euh, le déclare juste. Mais il ne le justifie pas seulement. Il va également lui donner les moyens pour que ce dernier marche. Dans la sanctification, dans l'intégrité. Donc la grâce, euh, euh, c'est cela, mes amis. Et on a vu également, on va rapidement aller dans Romains chapitre, chapitre 3. Romains chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset, à partir du verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. C'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est donnée la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la Loi et les Prophètes. La justice, dis je, de Dieu par la foi en Jésus Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a nulle différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ici on, on, on fait, euh, il, y a une, il y a une corrélation entre la grâce et la rédemption. Hein? La grâce et la rédemption. Alors on va juste cliquer sur le, le nombre 6 euh, qui euh, se trouve sur la rédemption. La rédemption. Et euh, voilà, et qu'est-ce que la rédemption La rédemption est la délivrance par le paiement d'un prix. Trois termes, trois termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption. Le premier, c'est agorazo, acheter un objet au marché. Donc, agora signifie marché. Les pêcheurs, effectivement, sont considérés comme des esclaves vendus au marché, hein, selon Romains 7, 14 notamment. Et le deuxième terme, euh, c'est hexagorazo, acheter et amener un objet hors du marché. Donc, là, ce terme-là euh, est utilisé dans Galate 3, 13 et dans Galate 4, 5 notamment. Euh, L'esclave est non seulement acheté, hein, euh, euh, mais il est également amené hors du marché de manière définitive. Et il est totalement délivré. Donc on est acheté, premièrement. Deuxièmement, on est amené hors du marché. Et troisièmement, il y a l'outro. L'outro, euh, c'est détacher, rendre libre. Donc euh, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous a délivré du péché, de la puissance de Satan et de la loi mosaïque. Donc vous voyez, trois termes sont utilisés pour parler de la rédemption. Donc euh, agorazo, euh, c'est le marché et hein, acheter un objet au marché. Deuxièmement, exa, euh, exagorazo, acheter et amener hors du marché l'objet ach acheté. Et troisièmement, c'est l'outro, c'est-à-dire délivrer. Donc vous voyez, donc la grâce c'est cela. La grâce égale la rédemption. La rédemption égale la délivrance. Donc quelqu'un qui est au bénéfice de la grâce de Dieu ne peut pas pratiquer volontairement le péché parce qu'il est délivré. C'est ça la grâce. Donc vous comprenez, mes amis, que la grâce égale délivrance, la, la grâce égale rédemption. C'est pour cela que, euh, dans Genèse 6 on nous dit que Je, euh, Noé était un homme intègre une fois qu'il était, euh, bien sûr, une fois qu'il a été euh, au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc la grâce dont parlent certains enseignants aujourd'hui et, et, et selon laquelle l'on peut vivre volontairement le péché, ce n'est pas un problème parce que Dieu nous a déjà sauvés, c'est une grâce complètement démoniaque, c'est un évangile démoniaque que nous devons euh, bien sûr euh, euh, renier, et, et dénoncer, rejeter euh, euh, fortement. Et on nous dit qu'au euh, verset et, euh, 20, euh, 20, 24, et ils sont gratuitement, sans, sans payer, gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que nous sommes justifiés gratuitement. Donc la grâce, c'est la justification. La grâce, c'est la rédemption. La rédemption, c'est le fait d'être acheté par le Seigneur au marché, le fait d'être extirpé, sorti de ce marché et en même temps délivré. Donc délivré de quoi ben Du péché notamment. Délivré des démons. Donc on ne peut plus euh, euh, se dire, oui, parce qu'on est gracié, parce qu'on a la grâce, on peut pécher. Non, c'est n'est pas ce que les Écritures nous disent. D'ailleurs, Romains chapitre 5 nous le confirme. Romains chapitre 5, nous lirons et euh, Romains chapitre 6 précisément. Voilà, Romains chapitre 6, à partir du verset premier. Que, dir que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Paul pose la question, que dire Devrions-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde, comme certains docteurs l'enseignent aujourd'hui La réponse, bien sûr, est non. À Dieu ne plaise. Car nous, car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Donc, la grâce, c'est le fait de mourir par rapport au péché. Et on sait qu'un mort, hein, les morts ne réagissent pas aux insultes. Les morts ne réagissent pas par rapport aux critiques. Les morts ne réagissent pas par rapport aux, 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 à leur environnement. On a beau pleurer, on a beau les taper, on a beau les fouetter. Ils ne réagissent pas parce qu'ils sont morts. Donc vous voyez bien que la grâce, c'est aussi le fait que l on, l on, la grâce nous tue par rapport au monde, par rapport au péché. Par rapport au péché, je précise, parce que Paul le dit. Donc vous voyez, la grâce, ce n'est pas le fait de pécher et de demander pardon au Seigneur. Non. La grâce, ce n'est pas la justification du péché par le Seigneur, non. La grâce, c'est la rédemption, c'est la justification. La grâce, c'est, euh, n'est-ce pas, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour être dans la sanctification. Dieu nous justifie, il nous amène dans son royaume et il nous donne les moyens nécessaires pour vivre une vie de sainteté dans le quotidien. Le verset 3 nous dit quoi Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Wow! Donc nous apprenons que la grâce, c'est aussi la croix, bien sûr, parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a trouvé euh, euh, son expression, euh, toute son expression, euh, mes amis, euh, euh, physique, euh, euh, spirituelle, et définitive, à la croix. Hein? Donc la croix, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu, parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu s'est manifesté totalement à la croix parce que l'amour consiste à donner. Donc, on va, ça, ça va être la deuxième question que je vais répondre tout à l'heure. Euh, on voit bien que la grâce, on ne peut pas parler de la grâce sans parler de la croix. Et la croix, eh, c'est ce sacrifice euh, euh, ultime, euh, euh, infaillible, pur, parfait de Yeshua pour notre délivrance définitive, mes amis. Donc, vous voyez bien que la croix, euh, fait, euh, la croix, c'est... C'est la manifestation euh, puissante de la grâce de Dieu. Voilà. Donc, là, on nous dit que le, le, le corps du péché a été crucifié, le vieil homme, hein, euh, cette nature adamique euh, qui est innée en chaque homme a été crucifié euh, à, à la croix il y a 2000 ans. Et le Seigneur nous demande justement de porter chaque jour notre croix pour que chaque jour ce corps de péché soit crucifié. Chaque jour en portant sa croix et ben, en marchant selon la parole du Seigneur, bien sûr, tout simplement, en priant, et ben, nous recevons la puissance, la force nécessaire pour dominer euh, sur la chair et ses euh, euh, convoitises. Voilà voilà la grâce, mes amis. Et, euh, donc, euh, et euh, donc là, Paul dit quoi au verset 11 On va le lire là, le verset 11. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché mais vivant pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur. Voilà. Donc on est mort par rapport au péché. Et le verset 12 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises. Et ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des morts étant devenus vivants et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Voilà. C'est clair, le chapitre 6 de Romains est très très clair sur la grâce. Donc, Paul dit que ben, nous sommes morts par rapport au péché. Et euh, le péché ne doit plus régner, euh, mes amis, euh, euh, dans nos corps euh, mortels. Et euh, il ne faudrait surtout pas livrer nos, euh, nos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Et euh, voilà, donc, Paul est catégorique là-dessus. Et, euh, et au verset 14, il dit car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ah! Quelle parole, mes amis, quelle parole, quelle parole, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous, vous n'êtes pas sous la loi, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'est clair, hein? celui qui est né, celui qui est sous la grâce, domine sur le péché. Voilà, c'est ça la grâce. Donc, si quelqu'un vous dit que parce que Dieu est le Dieu de grâce, vous pouvez couvrir le péché des gens. Vous pouvez, euh, mes amis, euh, refuser de dénoncer le mal parce que c'est la grâce. Eh bien, ce sont des sorciers. Cet homme est un sorcier. C'est des magiciens, des faux prophètes, des gourous. Hein. Il ne faut pas écouter leurs enseignements parce que la parole est claire là-dessus. C'est des gens qui veulent vous amener en enfer avec eux parce qu'ils sont dans le péché. Ils veulent justifier leur vie de péché hein, à part des enseignements étriqués, erronés, édulcorés. La parole est claire là-dessus. Paul a mis le point d'orgue là-dessus. Là, il dit Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et on va lire un dernier passage dans Tite, chapitre 2, le verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pieuse. Aha. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Ah, zélé pour les bonnes œuvres C'est ça la grâce. La grâce nous amène à, à, à. nous pousse à la pratique des bonnes œuvres. Voyez la sanctification, la sainteté, l'amour pour, pour le Seigneur, pour, ses, pour les hommes, mais pas l'amour selon les hommes, on va le voir tout à l'heure. Et on nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée à la croix, bien sûr, Yeshua. La grâce a été manifestée. Dieu, la, selon euh, Timothée 3, Paul nous, nous dit que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. La grâce est aussi euh, un être, c'est Dieu lui même. Voilà. Et on a vu dans Zacharie hein, que la grâce de Dieu est appelée aussi euh, bâton. Hein, c'est la, la verge, la verge qui corrige. On l'a vu la dernière fois, mes amis. Que Dieu soit béni. Et euh, on va quand même lire ce passage-là pour finir là. Zacharie, chapitre... Seigneur, merci pour ta parole. Et euh, Zacharie, chapitre 10. Non, 11 à 7. Alors. alors je me mis donc à paître les brebis exposées au carmage qui sont véritablement les plus mis misérables du troupeau. Puis je pris deux verges, j'appelais l'une grâce et l'autre cordon, et je me mis à paître les brebis. Voilà, Dieu dit ici, Yahweh, hein, qu'il a pris deux, deux verges, on sait ce que c'est une verge, hein. donc c'est voilà, pour corriger, c'est un bâton, et il dit qu'il a appelé l'une de, 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 de verges grâce et l'autre cordon. Donc la grâce, c'est ça, c'est la correction et c'est la récupération. Dieu corrige et il te récupère pour t'entraîner vers lui. Voilà. Donc, c'est ça la grâce. Donc, dans la grâce, il y a aussi la verge, il y a la correction, mes amis. Donc, euh, que Dieu soit béni, que Dieu vous garde, mes amis, nous sommes sous la grâce et non sous la loi de Moïse. Et la grâce, c'est la délivrance. C'est ça, c'est la liberté en Christ. La liberté, c'est quoi Ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut, mais c'est le fait de faire la volonté du Seigneur. C'est faire la volonté de Dieu révélée. C'est ça la grâce. Que Dieu vous garde, mes amis. Que Dieu vous protège. Alors, nous allons revenir dans quelques minutes pour une deuxième question. Merci, à tout de suite.